Bah d'abord, cette loi santé, deux mots, c'est que c'est une loi santé prévue pour 2022. Et moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on a entendu dans les établissements de santé, les hôpitaux et les EHPAD, dans le cadre de notre Tour de France. On a rencontré 120 établissements, partout, c'est le même constat. Partout, les soignants, les professionnels de santé nous disent on est à bout de souffle. On n'en peut plus, c'est le burn-out, c'est des suicides. On n'a jamais vu ça dans les établissements des hôpitaux. Alors, moi, je conseille à Madame la ministre, qui, elle, était hier à Bernay pour fermer les maternités, eh ben, qu'elle met en cohérence ce qu'elle dit, puisqu'elle veut ouvrir de la proximité. Je dis, au lieu de fermer, Madame la ministre, rendez-vous compte de ce qui se passe, parce que je fais une parenthèse également, c'est que le grand débat qui est au niveau médiatique prend une place assez importante aujourd'hui. Dans ce grand débat, on oublie le thème important qui est la santé. Alors je dis à la ministre, écoutez ce qu'il se dit sur la santé. Parce que votre plan 2022 ne tient pas compte de ce qui se passe, ne tient pas compte de la réalité. Et donc, les hospitaliers aujourd'hui vous disent, Madame la ministre, on tire la sonnette d'alarme. Écoutez-nous parce que la souffrance, elle est là. Et donc, il faut prendre des mesures immédiates. Et on vous propose, notamment les communistes et les parlementaires communistes, proposent une proposition de loi qui a pour objectif un moratoire qui va geler pendant quelques mois toutes les fermetures envisagées de façon à ce qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute et qu'on prend les moyens d'avancer.